salle de boxe comme une autre à Brooklyn. Non, pas vraiment. Une salle de boxe comme une autre à Morne Coco. Mais New York ou Fort-de-France, l'énergie est la même. Une énergie qui, ici aussi, produit des champions. Valérie est l'une des stars au Mad Dynamic Boxing Club. Elle est double championne de France de kickboxing, K1. On nous doit donner les bons exemples et de montrer qu'on peut faire des champions et des championnats en Martinique. C'est important. Les femmes seraient-elles en train de prendre le pouvoir dans nos salles de boxe? La même salle 2 heures plus tôt. Pour beaucoup de ces boxeurs, c'est jour de rentrée, voire même leur premier contact avec ce sport. Ils ont entre 8 et 14 ans et vous l'aurez constaté, beaucoup, beaucoup de filles dans cette salle et elles aiment ça. Ça te sert à quoi le faire de la boxe? Me défendre. À l'école? Non, pas à l'école, mais ça me sert à me défendre. C'est moi qui ai voulu faire la boxe. Pourquoi? Pour te défendre à l'école? Oui. Je voulais faire la boxe. C'est pas simplement pour les garçons. C'est aussi pour les filles. Pourquoi on pourrait pas faire? Je vois pas. C'est pas un sport pour les garçons parce qu'on se bat. Enfin, tout le monde peut faire ça. Donc on y va, on garde. Dans ce club, pas de différence entre hommes et femmes, entre garçons et filles. Cette forme de boxe est en réalité du kickboxing K1, mélange de boxe thaïlandaise et de kickboxing japonais. Poings, pieds, genoux sont des armes, sans tenir son adversaire et sans protection. Il y en a beaucoup, enfin pas que des femmes, il y a beaucoup d'adhérents qui viennent d'abord dans le but de faire du cardio, simplement transpirer quoi, et qui après se prennent au jeu, parce qu'ils voient que bon en fait, les idées reçues en fait ne sont pas du tout ce qui se passe en fait, qu'elles peuvent venir pratiquer la boxe, se protéger, donner des coups, et ça se fait dans un bon état d'esprit. Ok, on garde, on revient. Et voilà l'histoire d'une salle de boxe en pleine semaine et en début de soirée. Salle de champion, où l'énergie est la même que l'on soit à New York ou à Morne Coco.